Bonjour. Avec vous aujourd'hui, on va faire un pina colada. C'est une recette magnifique et très bon. Un cocktail avec l'alcool. On va prendre de l'ananas, 3 tranches de lait de coco, 20 cl de crème liquide, 20 cl, une tasse de glaçon. Et aussi, on a besoin, bien sûr, un blender pour mixer tout ça. 20 ml rhum blanc. Des verres très jolis pour servir. Et aussi un crème liquide de citron. 20 cl de crème de citron. Citron, si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron aussi. Mais moi, je mets juste 20 ml de crème de citron. On prend tous les ingrédients, on met dans notre blender. D'abord les glaçons, l'ananas au morceau qui est déjà découpé et prêt. Notre rhum, rhum blanc. Moi, j'ai pris... Je prends 20 cl de rhum blanc, je verse dans mon mixeur, je vais verser de la crème liquide et du lait de coco et mon liqueur de citron. Si vous n'avez pas de liqueur de citron, vous pouvez mettre du sirop de citron, et rajouter un peu plus de l'alcool à votre goût. On fait comme ça tout mixer maintenant. Maintenant, je vais rajouter du lait de coco. Mais c'est 20 cl de lait de coco et de crème liquide, 20 cl. Un petit peu de sucre, une cuillère à café de sucre. Si vous ne voulez pas, vous ne mettez pas de sucre. Si votre ananas est bien sucré, vous ne mettez pas de sucre. Et on va tout mixer dans notre blender, écraser des glaçons et tous nos fruits. Et l'ananas, bien sûr. Le goût de cocktail, pina colada, est très très bon. C'est très féerique, très bon goût, très crémeux, puisqu'il y a plein de lait de coco, crème de liqueur et tout. Bon appétit, goûtez un bon pina colada et à bientôt sur ma chaîne. Mettez des likes et dégustez un bon pina colada. À bientôt.